Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo d'ouverture de Booster Pokémon. La deuxième partie du coup de mon duo pack avec les ténèbres embrasées et les clashs des rebelles d'épée bouclier. Et du coup on va ouvrir les clashs des rebelles qui sont juste ici. Ils sont posés sur la table et ils nous attendent. Donc lâchez un maximum de commentaires, de pouces bleus, de partages, abonnez-vous, activez la petite cloche durant le générique, et puis moi, je vous dis à tout de suite pour découvrir ce que l'on a dans ces merveilleux boosters. À tout de suite! C'est parti, ouvrons les boosters des Clashs des Rebelles qui font partie du duo pack du coup avec les Ténèbres Embrasées. J'espère qu'on va avoir aussi de très très belles cartes parce que si vous n'avez pas encore vu les Ténèbres Embrasées, je vous mets le lien juste ici, vous avez juste qu'à cliquer et vous verrez que l'on a eu de superbes cartes dont une. J'ai dû répéter oh là là je ne sais pas combien de fois tellement j'étais heureux. Alors Clash des Rebelles, j'aimerais beaucoup avoir la Belle des Neiges Gold. Alors si elle est là-dedans, franchement, je vais péter un câble encore plus que ce que j'ai pété dans la dernière vidéo. Alors on va voir tout de suite les illustrations. Donc nous avons un Pyrobot, nous avons un Gorythmic, nous avons aussi, oh il est caché, nous avons deux Salarsen VMAX et de Lézarcus. Donc on va ouvrir déjà les boosters qui n'ont qu'une illustration. On va commencer par celui que j'aime le moins au niveau des starters. On va commencer par Gorythmic. C'est parti. Alors, il reste encore un petit peu de scotch du duo pack. Et commençons cette ouverture. Comme je vous ai dit, Belle des Neiges. Après, si j'ai des cartes que je n'ai pas et des rares, ça me va très bien. Le code est pour moi, donc c'est parti, on va faire le 1, 2, 3, 4, hop là. On ferme la marche avec ce qui pourrait être une ultra rare, et c'est parti. Alors, Funessir, Ninupio, hop là, Mélofée, très jolie illustration de Mélofée, un Voltorb, un Caninos, une énergie combat, une énergie frayeur, un Aflamme Noir, très joli. Un Morpeko, oh j'aime beaucoup l'illustration. Nous avons une peu commune Reverse Hexadron, très très sympathique, j'aime bien, elle est plutôt jolie. Et nous avons un Bezerkat de Galar, qui est donc l'évolution de Meowth de Galar en rare dans ce booster. Rien de bien foufou, mais bon. Je sais pas si Bezerkat de Galar, je l'ai déjà, on verra bien. On verra bien quand je vais remplir du coup mon classeur. Alors vous voyez, hein, le scotch est tenace. Hein. Il y avait du scotch en fait pour réunir les deux boosters et du coup c'est ultra tenace. Hop là, le petit code pour moi. Je vous donnerai peut-être un code sur les 6. Hop, on va faire le 1, 2, 3, 4, 1, 2 pour laisser l'ultra rare s'il y en a une ainsi que la reverse en avant-dernière. Donc nous avons un Mélofée que l'on a déjà eu, un Voltorb, décidément, Tarinor, Golyz, un Brocélum, oh elle est très très jolie cette illustration, très très jolie, j'aime beaucoup, une énergie plante, une énergie frayeur, décidément, un Aflamme Noir, oh bah, Morpeko, décidément c'est exactement la même chaîne de cartes. Donc nous avons un Poichijon en commune reverse, et nous avons un très joli Zamazenta, même pas holo. Bon, bon, on a un petit Zamazenta, le légendaire du coup de Pokémon bouclier, plutôt sympathique, en rare. Bon, j'espère qu'on va se régaler sur les 4 derniers boosters, parce que pour le moment, c'est pas la super joie. Alors, on va commencer par... Alors, j'aime beaucoup les deux autres Pokémon. On va terminer avec les starters. C'est parti. N'hésitez pas à faire vos petites réactions en commentaire, j'aime bien vous lire, je vous réponds à chaque fois et on va donner un premier code qui est juste ici. Régalez-vous et dites-moi surtout ce que vous avez eu avec, ça peut être très sympa du coup de découvrir ce que vous avez avec si vous avez des belles rares sur le online. C'est parti, du coup nous avons un Bacabou, sympathique, oh c'est, je crois que c'est une... oui c'est ça. Je vous en ai parlé dans les deux autres vidéos, c'est une figurine en photo, alors un peu retouchée, mais en photo naturelle, très très jolie. J'aime vraiment bien ces illustrations. Nous avons un Charbi, un Moufouette, un Mélofée,
un Voltorb. Décidément, on nous fait Voltorb même beaucoup. Une énergie plante, une épuisette de rappel, un Scarino. Oh, électrode plutôt sympathique. Nous avons un Darumacho de Galar, donc une rare reverse, très sympathique. Et nous avons un Élécable en rare. Ah, je crois que je ne l'ai pas encore, cette rare-là. Plutôt sympathique. L'illustration est pas super belle, mais les câbles, je l'aime bien. Donc pourquoi pas? Et je crois que je ne l'ai pas. Peut-être une nouvelle. Plutôt bien. Un nouveau Les Argus pour terminer avec les starters. Et ensuite, on va enchaîner avec Salarsen. Hop là. Oh, nous avons un petit Chenipan pour commencer. C'est pas possible. On a du spoil, mais on a une belle carte. Ça fait plaisir. Un Chenipan. Un Barloche, un Embrochet, un Ourson. Ah, j'aime beaucoup les illustrations de l'ourson, c'est très beau. Un Inupio, une énergie obscure, un Charmina, un Fourbelin, un Batrachné, un Colombo en peu commune reverse. Très joli, très sympathique. Le reverse, le nouveau reverse sur les énergies incolores sont très jolies et ressortent beaucoup mieux que sur certaines. Hein. Vraiment, c'est très beau. Et on va pas faire durer plus longtemps le suspense. Oh, une arc-en-ciel. Oh là 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 là. Un Sepietros VMAX Full Art Arc-en-ciel. Oh, alors, c'est une secrète, hein, comme vous pouvez le voir. Vous avez vu, 198 sur 192. Ça veut dire que c'est une secrète. Oh, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Une arc-en-ciel. Sepietros VMAX. Oh, c'est splendide. Vraiment magnifique. On va la mettre en premier plan. Regardez-moi cette beauté. Et décidément, les duopacks. Vous venez, allez vraiment voir l'autre ouverture que j'ai fait. Parce que franchement, là, on a extrêmement de chance. S'il pouvait y avoir encore deux ultra rares là-dedans, ça serait franchement incroyable. C'est parti pour le prochain Salarsen. Hop, un petit code online pour vous. Vous le chopez vite fait et on le met de côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, c'est parti. Allez. Encore une ultra rare, s'il vous plaît. Chenipan. Oh, ça commence comme l'autre. Un Barloche. Un Embrochet. Ça commence exactement comme l'autre. Nounourson. Allez, une ultra rare. Et s'il te plaît, tu commences comme l'autre. Une petite ultra, ça serait toujours très bienvenu. C'est pas français, mais c'est pas grave, on va continuer. Hein. Énergie O, une épuisette de rappel, un Scarino, électrode. Hein, tout est écrit, donc une rare reverse, hein, très jolie. Vous voyez, en fait, sur les énergies incolores, ça se voit très bien. Sur l'énergie combat, un peu moins, mais c'est un très bel effet. Sur tout est écrit de Galar. Et nous avons, pour finir, un petit Spiritombe, tout simple. Voilà. Spiritomb, je l'ai déjà. Ça, c'est sûr, je l'ai déjà, Spiritomb. Hop ! Et on va terminer, du coup, avec le dernier booster de Clash des Rebelles. Attention. Est-ce qu'on va avoir mieux que ces Pietros ? Ça va être extrêmement difficile. Con online ou pas con online ? Mettez des pouces bleus pour plus de con online, si vous voulez, et des commentaires. Et pour la peine, je vous mets le petit code. C'est parti, vous l'avez. On le passe. 1, 2, 3, 4, 1, 2, allez, on termine. On termine sur une ultra rare, je le sens. Arakdo, Nounourson. Ah bah décidément, Nounourson, on l'aime bien. Smogo, très sympathique. Grimalin, alors lui, je l'aime beaucoup. Hein. C'est la base, en fait, d'Angoliath que vous avez vu, du coup, dans Ténèbres embrasées au niveau illustration. Nous avons un petit Lixi tout mignon. Une énergie feu. Ah, disparaît-il. J'aime beaucoup ce Pokémon, c'est vraiment magnifique, c'est trop beau. Mélancolux, un Pokémon que j'aime beaucoup également. Une mine de Galar, un Toxizap, oh trop chou, il est trop beau. Alors on l'a vu aussi dans Ténèbres embrasées, mais là il est en reverse, donc c'est très beau. Et nous finissons avec, oh très sympathique. Alors ce n'est pas une ultra rare, c'est une rare toute simple, c'est une Léviator holographique
très sympathique. Ouais, bah c'est plutôt pas mal. Hein. En fait, on a eu une très très bonne carte. Et là, avoir un petit Sepiatros, décidément, je suis resté sur lui. Hein. Un petit Léviator Holo, magnifique, c'est splendide. Et notre petit Sepiatros V-Max en arc-en-ciel. Oh, c'est splendide. La petite secrète qui fait plaisir. Franchement, sublime. Moi, je vous dis à très très bientôt. Je vous quitte avec ces deux magnifiques cartes que l'on a eues. À très très bientôt, je l'espère. Gros bisous.